Guyane, les raisons de la crise. Pour ses voisins, la Guyane est un territoire attractif, un lot de prospérité dans un continent pauvre qui séduit de plus en plus de candidats à l'immigration. Des migrants originaires principalement du Suriname au nord, du Brésil au sud, mais aussi, de plus en plus, d'Haïti, depuis le tremblement de terre qui a ravagé le en 2010. Résultat, les demandes d'asile explosent, 8000 l'an dernier, contre 1000 en 2010, 8 fois plus, et c'est sans compter l'arrivée de migrants clandestins. Un CHMAJ massif. Des afflux massifs dans un territoire dégirondé par le CHMAJ. En Guyane, il touche 22% des actifs, plus du double de la métropole qui est 9,7%. Et la situation est encore pire pour les jeunes, 54,9% de CH meurent. Elle encore, c'est deux fois plus qu'en métropole. Pourtant, ce territoire frané a quelques atouts, le commerce du bois, l'orpaillage Elgal ou Ilgal, et enfin, le centre spatial de Kourou d'Ossonlanké les Fuées Ariane, 16% de la population active lui tout seul.